toute beauté, un extrait de l'émission L'école des fans qu'on va pouvoir voir sur les ondes de TVA au cours des prochaines semaines, mettant en vedette nul autre que Marc Dupré. Ah. Mais en fait, c'est les vedettes, c'est les petits-enfants qui... C'est incroyable comment... Quel courage! L'émotion qu'ils ont quand ils chantent, c'est naturel et ces petits yeux comme ça. Ça doit faire quelque chose aussi de voir un enfant chanter ta chanson. C'est super touchant. Puis moi, quel cadeau. J'ai la larme facile. Hein? J'ai dû me retenir tout le long. Mais oui, je trouve ça cute. Moi, j'ai des enfants de cet âge-là. Tu sais, je voyais ça, puis ça me touchait vraiment. Mais toi, quand tu as voulu faire ce métier, tu étais très jeune, tu savais déjà que tu voulais faire ce métier. Ta mère t'a beaucoup encouragé. Ton père avait plus peur. Moi, lui... Un petit peu plus de doute. Plombier. Ça te donne pas. Constructionneur. C'est ça. Bricoleur. Parce qu'il s'inquiétait pour toi. Oui, oui. Mais en fait, c'est évident que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se rendre, tu sais, à pouvoir en vivre de ce métier-là. C'est difficile, tu sais. C'est un métier qui est... T'as des ups, t'as des gros downs. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit après, quand il s'est rendu compte, tu sais, mon fils vend des billets, tu sais, 200 000 billets par spectacle? Mon père, là, le premier spectacle que j'ai donné, c'est dans... Il voulait rien savoir avant ça. Ben en fait, il me laissait aller parce que c'est important, mais parce que ma mère, souvent, elle disait « Laisse-les tranquille! » Mais lui, le premier spectacle que j'ai donné dans un bar, Resto Bar 4 étoiles, il était dans la salle. Là, il m'a écouté, puis là, il a vu tout le monde qui tripait. Puis là, il était fier. Puis là, après le show, il a dit « OK, là, tu peux faire ça, là, mais c'est moi qui vais t'écrire les textes. » C'est vrai que mes textes n'étaient pas bons. Fait que là, mon père, qui avait un travail, il travaillait 50 heures par semaine, là, il s'est mis à m'écrire des textes. C'est lui qui écrivait mes textes au début. Il m'a acheté un paravent, des perruques, des affaires. Puis c'est lui qui me donnait mes accessoires. Et c'était quoi les messages de ces chansons? Mais c'était pas des chansons, c'était des textes de blagues. Moi, je faisais pas de parodie, je faisais des imitations de chanteurs, mais les liners, là, entre les jokes. Je comprends, les textes entre des chansons. Qui étaient souvent très plates. OK. En fait. Oui. Qui étaient souvent très plates, mais... Je ne pouvais pas faire ça à mon père. Je les faisais quand même avec cœur, puis moi, je riais. Est-ce que c'est la première fois que ton père va t'entendre dire que c'était plate maintenant? Ou... Non, mon père il est décédé, ça fait un petit bout. Mais j'ai dit plus tard, j'ai dit « Pat, tes textes étaient plates, je le sais bien. » Il dit, c'est ça, il voulait m'aider. C'était quelqu'un qui était comme ça dans la vie, il a toujours aimé aider. Et ton fils Anthony aussi a un don, un talent. Anthony, c'est un petit acteur, tu sais, c'est... Il y a toujours une façon bien théâtrale de dire quelque chose. Tu es toujours comme ça. Toujours, papa, est-ce que tu viens de jouer avec moi? À quoi tu veux jouer? Je sais pas, au camion peut-être. Tu sais, puis Tu as toujours été quand même très discret sur ta vie personnelle. Oui, j'essaie de garder ça pour moi, mais à quelque part, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment d'en parler parce que je suis tellement fier de mes enfants. Mais on voulait que tu sois à l'aise aujourd'hui. Ouais. Vraiment, je trouve ça le plus important parce qu'on t'aime, puis moi, je te connais depuis très longtemps, puis on a décidé qu'on voulait faire parler quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te connaît très, très bien. Quelqu'un qui me connaît bien. Qui est en studio, puis qui va venir nous rendre visite. C'est de la famille, finalement. Oui, tu sais. Alors, peut-être vous reconnaissez la personne. Mais oui, Madame Dion! Madame Dion! Bonjour! Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, Marc? Ben oui! Ben, je compte. Vous vous asseoir, Madame Dion! Ben oui! Madame Dion! Ça, c'est de la J'adore, ben oui, écoutez, c'est le fun. Madame Dion! Il dit ça devant moi. Non, c'est pas vrai. À toutes les fois qu'on se rencontre, je suis content, on se colle. Vraiment? Même que j'ai à Noël. Tu aimes tellement, Madame Dion? Ben, parce que c'est une femme extraordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est une mère extraordinaire, puis c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Oui. Puis a fait un party. Oui, c'est ça, hein? Et moi, là, à Noël, hein, j'appelle Madame Dion à Noël de temps en temps. C'est vrai, hein, ça, c'est vrai. Après son mariage, je me souviens, je ne peux pas l'oublier parce que ça m'a touché un peu. Il m'a appelé pour voir. Il recevait des amis et puis comment je faisais que la dinde, les petites carottes à moutarde. Là tu fais ça, puis là, je dis ok, ça, non, pas de ça, je t'ai dit. C'est ça. Là c'est important, si tu veux qu'elle soit dorée, il faut la battre jeune à la fin. Madame Dion, l'avez-vous aimé tout de suite? Avez-vous pensé que c'était le bon mari pour Anne-Marie? Non, je n'étais pas là pour... OK, je l'adore. Moi, je dirais que moi, ça... Je juge pas au... C'est ça, Le premier contact et tout ça. C'est venu après.
qu'on avait justement là de plus de... On se voyait plus souvent, puis on a appris à se connaître. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais. C'est quoi les côtés qu'on ne connaît pas de Marc Dupré? Parce qu'on connaît le gars sympathique, le gars qui fait des farces. Ah, c'est quoi les côtés que vous connaissez? Moi, je connais le père de famille maintenant, que je ne connaissais pas dans le temps, que j'apprends à connaître quand il y a des assemblées familiales, puis tout ça. Donc, le rôle change d'un coup. Moi, je change une couche, c'est pas long, là. Ça vous impressionne, Mme Dion, de voir son cheminement et tout ce qu'il est en train de faire? Ça me surprend. Et Anne-Marie aussi. Je vous dirais que Anne-Marie, moi, je l'ai vue grandir et puis aujourd'hui, elle m'épate. Je la trouve extraordinaire quand je la vois avec ses trois enfants en vacances. Je remarque, je parle pas beaucoup, mais je regarde beaucoup. Et je me disais, mon Dieu, j'aurais jamais cru qu'Anne-Marie se ramassera avec trois enfants qui se débrouillent, puis surtout avec M. Dupré. Exactement. Alors, on n'a plus, je pensais jamais qu'on se ramasserait avec trois enfants. Okay, madame, on veut profiter de votre visite. Oui. Parce que vous avez tellement d'expérience, vous avez quand même très bien conseillé Céline et tous vos enfants. On veut des conseils pratiques pour Marc. Alors, au niveau de sa carrière, un conseil que vous lui donnerez pour qu'il continue dans la bonne voie, ça serait quoi, Mme Dion? Bien, moi, je te dirais, Marc, surtout que quand je sais que tu passes à la télé, j'ai l'œil, alors tu devrais laisser tes beaux yeux ouverts. Tu fermes trop tes yeux quand tu chantes. À chaque fois que tu montes, tu fermes tes yeux. T'es plus beau quand t'as les yeux ouverts. Parce moi, c'est que quand je monte, mes yeux, ils viennent comme de même. Ils viennent de même quand je monte. Mais toi, les cure-dents, tu vois, qu'ils restent ouverts. C'est vrai. OK, au niveau de la famille, j'aimerais un conseil pour qu'il reste, pour que ça soit la meilleure chose possible, pour que sa famille soit toujours primordiale dans sa vie, pour qu'il soit un bon père. Qu'est-ce que vous lui direz à travers cette carrière quand même compliquée? Oui. Qu'il fasse manger à ses enfants? Non, qu'est-ce que son rôle de père, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour qu'il reste un bon père? Malgré la tournée, puis malgré le métier que je fais. Ah, bien, ça, c'est un drôle de métier, parce que le show business, ça, tout le monde le sait, que c'est un drôle de métier, surtout quand on a une famille. Mais être le plus présent possible, pas juste pour les enfants, c'est très important. À l'âge qu'ils ont, c'est très important d'être là, présent. Moi, je connais des artistes que, à un moment donné, ils me disent, « Faut que je lâche, j'ai un fils de 14, 15 ans, 12 ans. » Je ne connais pas. Il ne connaît pas son père. Il est temps, il aurait dû y penser avant. Mais Marc, je sais qu'il joue beaucoup de ses enfants. C'est très important. À quatre pattes à terre avec des enfants. Et quel conseil vous lui donnerez en tant que mari pour que ça reste un bon mari à Anne-Marie? Mais pas oublier qu'il y a une femme dans tout ça. Plus fort, Mme Dion! Oui, la femme, elle est là. S'il y a trois beaux enfants, c'est grâce à sa femme. Ce qui l'attend, et puis avec tous les problèmes. Puis quand il arrive, bien là... Ah, ben oui, regarde, elle a eu les rhumes des enfants, elle a eu ci, elle a eu ça. Hein? Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'Anne-Marie est courageuse. Oui, puis on dit toujours que la femme est celle qui prend soin d'elle pour que son mari l'aime toujours. Mais les hommes doivent faire ça aussi. Adhémar a toujours été un homme si soigné, beau. Et on le sentait quand il... Qu'est-ce que vous direz à Marc à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour rester beau, viril, attirant? C'est pas pire un matin. Pas pire, hein, Valentina? Pas pire. Il est même plus important, hein? Mais, non, mais c'est vrai que les jeunes femmes, ils vont avec les jeunes hommes. C'est ça. Tu comprends? Mais il faut toujours penser à l'autre. Moi, je me dis, j'avais dit quelqu'un, je me répète, là, que... Quand je sors, moi, juste pour aller faire ma commande, juste pour aller à l'épicerie ou à la pharmacie, peu importe, il faut que je m'arrange. Il faut que j'aie les cheveux bien peignés, il faut que j'aie quelque chose de propre, puis qui me remonte un peu. Pas pour moi. Quand je sors de mon bain, je me vois, puis je dis, oh boy, je m'en vire la tête, parce que je comprends, dans le miroir, mais on vieillit, on vieillit. Mais pour ceux qui nous regardent, le respect de l'autre, c'est très intéressant, mais, madame. Puis un homme ou le vice-versa pour la femme. Oui. Alors, quand c'est son regard à elle, ta femme, quand t'es beau, t'es bien arrangé, tu sens bon, mon Dieu, que la moitié du chemin est faite. Madame Dion, vous allez rester avec nous parce que là, on va le faire travailler. T'as rougi un petit peu. Là, on t'a donné des bons conseils. Ben oui, c'est des très bons conseils. Je voudrais que tu gardes tes yeux ouverts pendant cette La chanson commence, la première phrase, ça dit « Si je ferme les yeux ». Mon Dieu, OK, on va te pardonner alors cette fois-ci. Je vais juste les fermer là. Puis je vais laisser ouvert. Oui.